tout le monde. Alors, comme vous allez très très vite vous en apercevoir, on se moque pas, je suis malade, donc je parle du nez, pas mal. Donc voilà, va falloir faire un petit peu abstraction et donc je m'en excuse dès le départ, comme ça c'est fait. Alors donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite cartounette et je vais enfin utiliser cette planche de tampon. Donc je l'avais déjà utilisée avant parce que j'avais envoyé entre autres une carte à Marie. Excusez-moi. Décidément, je penserai jamais à couper mon téléphone. Donc oui, je disais que j'avais envoyé une carte à Marie, entre autres, mais j'avais jamais utilisé cette planche de tampon en vidéo. Donc voilà, c'est chose faite maintenant. En plus, c'est une très très bonne marque de tampon dont on trouve pas beaucoup de modèles malheureusement par nos contrées. Mais c'est, enfin, la qualité est sensationnelle, quoi. Vraiment, c'est quasi impossible de rater un tamponnage avec ces tampons. Bon, avec moi, rien n'est impossible, hein, je vais vous dire, la preuve, j'ai réussi à en rater un ou deux, mais enfin, c'est pas grave. Donc, je vais tamponner plusieurs motifs et je vais les mettre en couleur avec mes promarqueurs, donc j'ai tamponné avec de la Memento. Et par contre, j'utiliserai peut-être pas tout ce que je vais mettre en couleur, mais bon, on verra ça par la suite. Donc là, j'attaque avec un dégradé de rouge pour mettre en couleur mes petits champignons. Comme d'habitude, s'il est besoin que je revienne sur la mise en couleur, je ne pense pas, mais enfin je vais le dire quand même, au cas où il y ait des gens qui découvrent mes vidéos. Coucou les nouveaux. Alors, donc je pars moi toujours de la couleur la plus claire pour aller vers la plus foncée. Donc je marque mes ombres un petit peu avec la couleur foncée. Enfin, avec la couleur intermédiaire dans un premier temps et la couleur plus foncée. Et après donc je reviens pour mélanger le tout avec la couleur la plus claire. Voilà. Donc je vous redis une fois de plus comment je mets en couleur. Et donc pensez aussi à utiliser les pointes, enfin l'autre pointe de vos promarqueurs. Parce que tant qu'à faire quand c'est des surfaces un petit peu plus importantes. Donc là je pourrais y aller franco, encore une fois, je réfléchis pas, j'ai pas de cerveau, c'est pas de ma faute, mais je pourrais y aller franco et coloriser à peu près tout mon petit raton laveur. Avec la grosse pointe et dépasser allègrement, puisque de toute façon je vais faire du paper piecing, donc quoi qu'il arrive je vais découper le contour, donc il n'y a absolument aucun souci, même si je dépasse ça va pas poser de problème, mais bon ça je le comprends par la suite quand même au bout d'un moment. Et donc comme d'habitude, hein, comme je viens de vous le dire, je vais y arriver. Je marque mes ombres avec la couleur intermédiaire. Je mets un petit peu, un fin trait de couleur la plus foncée. Et après, donc, je mixe le tout avec la couleur la plus claire. Donc là, j'ai beaucoup, beaucoup accéléré la vidéo. Donc, ma table continue de trembler. Elle tremblote, la pauvre. Et donc c'est vrai qu'en accélérant la vidéo, ça n'arrange rien. Donc j'espère que je vais coller le mal de mer à personne. Donc là, vous voyez que sur le raton laveur, j'ai utilisé mes trois teintes de gris chaud, donc de warm gray. Et donc pour rester dans des tons de gris, mais pour en prendre d'autres quand même, pour faire un petit peu quelque chose de différent, je vais utiliser cette fois-ci les gris froids. Et seulement deux nuances. J'aurais pu en mettre plus, mais bon. Je vous dis des bêtises là, non? J'en ai mis trois. Moi, je me rappelle plus. Non, je crois que c'est deux, mais là, en fait, j'avais pas mis en couleur le nez du petit raton laveur. C'est pour ça que j'ai ressorti mes gris chauds. Voilà. Donc là, c'est une nouvelle combinaison de couleurs que j'ai trouvée. Wafatch, si ça tremble, mon Dieu. Donc, je disais, je vais pas regarder hein, pendant que je parle. Je vais me foutre le mal de mer toute seule. Donc oui, c'est une nouvelle combinaison pour faire du marron. Alors c'est vraiment pour avoir un marron très très flamboyant en fait que j'ai découvert cette combinaison de trois couleurs. Et bon oui, le résultat est quand même assez sympa. J'avoue que ça m'a bien plu. Maintenant, ne vous fiez pas trop à ce que vous voyez à la fin de ma mise en couleur, puisque comme vous le savez, les feutres à alcool, c'est quelque chose de très particulier. Et à savoir que quand on a déposé l'encre sur le papier, elle va continuer d'évoluer, si on veut, pendant encore, on va dire, une petite minute ou deux sur notre papier. Et donc mon rendu, je vais dire, final, entre guillemets, ça va pas être vraiment celui qui sera quand l'encre sera complètement sèche sur mon papier. J'espère que je suis claire. Je tente de l'être, hein.
J'espère que vous voyez l'effort l'effort que je fais. Donc une teinte, on va dire, un petit peu plus classique, enfin un panel plus classique de couleur marron pour le petit hibou cette fois-ci. Ah, il est vraiment trognon ce set de tampons Lawnphone, vraiment, c'est une marque que j'adore, mais comme je vous dis, hein, il faut exclusivement le commander sur les sites, sur des sites étrangers pour avoir des modèles un petit peu sympas. Je pense beaucoup à ceux de Nelvea Chan, puisqu'ils m'ont bien fait baver dans sa vidéo. Et c'est vrai que je perds pas de vue de passer commande prochainement, justement, pour des sets de tampons. Alors, pas tout de suite, hein, parce que j'ai pas les finances au beau fixe, hein, comme beaucoup de monde. Mais bon, quand ça reviendra, c'est vrai que je vais m'équiper un petit peu de ce côté-là. Ça peut être bien sympa. Oui, bah tiens, pendant que je mets en couleur, vu qu'il n'y a rien de bien spécial à vous décrire, puisque c'est la méthode que j'utilise habituellement. Donc je voulais vous remercier encore une fois donc pour tous les commentaires que vous avez pu me laisser et que vous continuez de me laisser. Maintenant, je voudrais juste préciser une petite chose. Bon, je vous rassure, c'est rien de grave. Je voudrais juste vous dire que moi, je ne cherche pas à faire des vidéos pour les commentaires. Ça me fait toujours beaucoup plaisir quand vous m'en laissez, bien sûr. Mais je voudrais surtout pas, et je parle surtout pour les fidèles visionneuses, mes fidèles abonnés, je voudrais surtout pas que vous vous sentiez obligé quand je sors une vidéo, quand je la mets en ligne, de forcément, une fois que vous avez regardé la vidéo, me mettre un commentaire. Parce que moi, je voudrais pas que ce soit quelque chose enfin, qui devienne quelque chose de systématique et que du coup, en fait, au bout d'un moment, trouverez carrément plus rien à se dire ni à se répondre. Donc j'espère que vos commentaires, bon je dis pas que vous les laissez exprès, mais j'espère vraiment que vos commentaires sont justifiés. Donc moi comme je vous dis, si vous regardez une vidéo, que ça vous a plu, mais qu'il n'y a pas grand chose de spécial à dire dessus, surtout ne vous formalisez pas, je le prendrai pas mal, je vous assure. Et donc j'en profite pour m'excuser s'il y a des gens à qui je n'ai pas encore répondu. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors il y a énormément déjà de nouvelles chaînes YouTube, alors ça c'est plutôt bien. Et c'est vrai qu'on fait souvent référence à ma chaîne et j'en suis très 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 fière et très contente, même très heureuse. Et c'est vrai que de temps en temps je vais zapper de répondre à tel ou tel, bah parce que en fait il y a tellement de commentaires que je me mélange un petit peu, je perds un peu les pédales. Mais bon, ça devrait pas arriver trop souvent, somme toute, je pense. Donc ça, c'est des découpes que j'ai effectuées avec ma silhouette. Oui, parce que je m'en voyais mal découper ma pelouse au ciseau. Hein. Je l'ai déjà fait, hein, dans le passé, mais c'est pas quelque chose que j'affectionne, même si j'aime beaucoup découper, faut pas exagérer. Donc là, j'ai fait mon fond avec deux distress, donc la Tumbled Glass et... alors, c'est pas la Stormy Sky, c'est la Broken China. Voilà, je me trompe tout le temps. Et donc, je vais superposer mes deux petites bandes de pelouse. Donc là, on voit que j'ai embossé avec le classeur de ma petite scrapboulette. J'ai embossé mon tronc d'arbre et je trouve que ça, le rendu est génial. Et là, donc, c'est toujours le tampon Lawnphone, mais cette fois-ci, je m'embête pas à le coloriser. Je vais carrément tout de suite le tamponner sur du papier marron. Et donc, je vais faire du paper piecing et j'ai tamponné les petites feuilles de ce tronc d'arbre. Et donc, je les ai mises en couleur avec mes promarqueurs. Et donc, je vais les recoller par-dessus pour pas garder des feuilles marron, bien sûr. Donc pour celles qui auront l'œil, et bon, même si on a l'œil, je pense que ça se voit pas. Si on a vu le tronc d'arbre que je vous montrais embossé alors qu'il faisait nuit, il était éclairé par ma lampe de bureau, c'est parce qu'en fait j'ai mis la moitié de l'après-midi à trouver un autre papier marron dans mes affaires, et en fait j'ai pas trouvé, je voulais une autre teinte que celle de l'arbre pour mon tronc d'arbre, et du coup j'ai pas trouvé, et en fait j'ai trouvé vraiment à la toute fin un tout petit bout de papier, donc ça m'a beaucoup beaucoup retardé. C'est un peu idiot de ma part, mais enfin bon,
quand on veut faire les choses bien, voilà. Donc le tronc et l'arbre ne sont pas de la même couleur, mais bon, au final, qu'est-ce que ça change, hein? Donc là, j'ai dissimulé deux petits champignons dans les herbes, j'ai envie de dire. Voilà, et là, je vais coller mon petit hibou en 3D par-dessus mon petit tronc d'arbre, mais je voulais quand même qu'il ait des petites patounettes, mais j'allais pas les découper au ciseau, parce que alors là, autant dire que hein, c'est pas la peine. Donc j'ai juste retamponné le tampon au niveau de ses pattes et sur mon tronc, et puis voilà, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, j'ai collé des petites feuilles que j'avais colorisées et découpées également sur mon arbre. Donc on voit que c'est bien l'automne, hein, parce que le pauvre arbre, il lui reste trois feuilles sur les branches. Voilà, donc là, je mets en place mon tronc. Et la mousse 3D à l'arrière du petit hibou que je vais positionner au-dessus de ses pattes. Bah oui, logique. N'importe quoi. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ensuite? Bah je vous montre. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est beau, hein? Et donc je vais placer mon petit raton laveur. Voilà, à côté de son copain hibou. Et donc ben, la mauvaise nouvelle, hein, j'espère que tout le monde va s'en remettre, mais je ne mettrai pas sur cette carte mon joli petit renard, tout flamboyant. Bah, parce qu'en fait, au début, je l'avais faite beaucoup plus longue, et au final, j'avais pas découpé à la silhouette ma pelouse correctement. Donc elle était un petit peu trop courte. Il a fallu que je raccourcisse ma carte et que je choisisse entre le hibou et le renard. Donc bah, je suis désolée, monsieur renard, mais j'ai choisi le hibou. Voilà. Cette fois-ci, ce sera le hibou, mais je vais garder le renard de toute façon. Je le mettrai dans une prochaine création. Il paie rien pour attendre celui-ci, il n'y a pas de problème. Et je vais positionner avec du glossy accent, parce que c'est la première colle qui m'est passée sous la main, pour dire la vérité, pour être sûr que ça tienne bien. Donc j'ai positionné des petites feuilles sous l'arbre. Donc j'ai collé des nuages aussi, j'ai oublié de le préciser. Et donc là, je trouvais que ma carte, il manquait un petit titre, on va dire. Déjà que j'en mets pas sur mes pages de scrap, si je me mets à les oublier à oublier les titres sur mes cartes, on va plus s'en sortir. Donc là, je voulais pas découper la silhouette, m'embêter à découper ce petit bout de papier. Donc je le fais à l'ancienne, à la main, avec mon cutter et mon tapis de découpe auto-cicatrisant. Ouais, rien que ça. Et je vais l'ancrer parce que j'avais pas bien envie de la laisser blanche. Elle allait pas trop se distinguer par rapport aux nuages. Donc je vais l'ancrer avec de la color box, de l'encre à pigments. Mais elles sont bien pratiques ces petits. Je sais même pas comment ça s'appelle. Ces petits pads, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc moi qui suis pas fan de vert, vous le savez, cette fois-ci je suis allée naturellement vers le vert. Donc vous voyez, si ça se trouve, les choses sont en train d'évoluer. Donc je vais positionner ma petite bannière avec de la mousse adhésive 3D encore une fois. Si je ne mets pas 3 heures à enlever les collants, voilà. Hop, j'essaie de la centrer quand même un minimum. Il faut ce qu'il faut. Et donc ça, c'est du papier qu'on utilise pour relier les dossiers. Je suis dans ma période, ouais, j'ai envie que ça fasse classe et du coup je mets un fond de carte noire carrément. Comme ça, je trouve que ça surélève les couleurs, ça met vraiment bien en valeur. Et voici ce que ça donne. Petite carte faite avec donc les tampons de Lawn Fawn. Donc j'espère qu'elle vous plaît, j'espère qu'elle plaît beaucoup à Nelvea-chan puisque c'est celle qui va partir chez elle. Donc je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais bon, je pense que la carte aura pas eu le temps d'arriver, mais bon. Donc j'espère qu'elle vous plaît à vous aussi. Et ben je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci de votre fidélité, gros bisous, bye bye.